Alors juste avant de commencer la vidéo, petite dédicace à Florentin Guichard qui me suit depuis déjà un bon petit moment. Et donc du coup, petite dédicace. Deuxième dédicace à Thomas Gaming. Attention, petite dédicace. Alors juste une dernière dédicace pour Olsen. Là bien sûr, il y a 2-3 intelligents qui vont me dire « mais tu l'avais déjà dit, hein ? Cette dédicace-là, elle avait déjà été là !» Oui, mais t'inquiète, c'est fait exprès, c'est normal, si j'en mets une deuxième, c'est entre le doute et le... Et le, ça fait un petit moment qu'il est là. C'est entre les deux, tu vois, c'est un petit peu des deux, donc pour être sûr, hop là, deuxième dédicace pour Olsen. Allez, moi en attendant, je vous dis à tout de suite pour attaquer, enfin pour attaquer, qu'est-ce que je dis, pour la vidéo tout simplement. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite attaque jour contre XX Abode XX9. Et ça, c'est la base. Attention, petit sourire, bonne chance. Oui, qui est niveau 9. Donc, monsieur me... Hein. Il me fait bien peur dès le début. Donc, alors, ce deck n'est pas à moi, ce deck est à Adama Division, si je me trompe pas. Ouh, ça va. Franchement, ça va. Je sais même pas quoi ça a servi son délire, mais ça va. Oui, c'est bien. Merci beaucoup de m'avoir aidé en fait. Hein, parce que t'as tiré les flèches alors qu'il fallait pas. Et du coup, moi, ça m'aide hein, carrément. C'est bon, nickel. Ouais, si elles se font pas trop tuer non plus. Ouais, avance. Ah non, vas-y. Mais genre, l'autre, elle a genre tireur d'élite, tu sais. Franchement, je te jure, c'est hallucinant. Oui, donc, à la base, il y avait aussi l'esprit de glace. Seulement, il y avait. En fait, il m'a donné 9 troupes en tout. Il m'a donné le choix entre Horde de Gargouille. Et Gargouille. Du coup, moi j'ai choisi la Horde de Gargouille. Et puis en tout, il y avait 9 troupes. Enfin, en tout, 10 troupes. Mais vu qu'il m'a donné le choix entre 2, ça fait que 9 troupes. Et donc, du coup, bah c'était trop, tu vois. Donc, il m'a dit double prince. Pour moi, double prince, c'est bien le prince ténébreux et le prince normal, hein, pour moi. Donc, peut-être que je me suis trompé. Peut-être que c'était autre chose. Mais bon, un temps, il a dit double prince. Donc, pour moi, c'était ça. Et puis, du coup, bah, ce que j'ai fait, bah, c'est que. Bah j'ai enlevé l'esprit de glace parce qu'il était que niveau 1. Tu vois, je l'avais que niveau 1, donc du coup je l'ai enlevé. Et du coup j'ai mis tranquillou je sais plus comment ça s'appelle là, le truc là, le machin chouette là. Et puis voilà, commence pas à me saouler. Alors il y a un petit défaut sur ce deck. Ouh bah dis donc, c'est qu'il y a mon PK qui vient de disparaître. C'est un petit défaut ça hein. Ah, j'ai pas mis l'extracteur d'élixir. Bah d'ailleurs je vais pas le mettre parce que j'ai trop de choses à défendre. Donc on va tenter de faire ça. Non, pas ça, ça là. C'est possible. Ouais, c'était pourri, je voulais pas faire ça, je voulais tirer sur le... Allez, mets-le là, je te jure. Non, ça l'a tué du premier coup. À ce point-là. Ça fait trop mal. Ça fait trop mal, les gars. Vas-y, tue-le-moi. S'il te plaît. Ça va, c'est bon. Bon, au moins, on est à égalité, là. Ah, il est dur à utiliser, ce deck, hein. Il est vraiment très dur. Hein. Oui, donc, au niveau défense... au niveau, justement, de tout ce qui vole. Donc, là, il y a la horde de gargouilles pour... Mais pourquoi tu fais ça à chaque fois? Oula, mais je comprends pas ton délire là. Tu dois être en retard toi sur ton gameplay, hein. C'est pas possible. Hein. La tour a été déjà morte. Hein. Non, je tiens à te le dire quand même. Alors juste on va faire ça quand même pour essayer d'apaiser un petit peu les... Ouais, c'est bon. Oh, comment il s'est retourné. Le truc de malade. Truc de malade. Alors, on va faire ça, nickel. Oh, regardez-moi là-haut là. Et paf. Oh non, dommage. Non, encore une fois. Ouais, encore une fois. Tu peux la tuer, tu peux au moins la tuer. Au moins faire un coup, pourquoi pas. Oh, dommage, de que dalle, wesh. Bon, désolé. Non, mais bon, je mange, il y a un peu trop. Oui, voilà, on va mettre ça juste. Toc, comme ça. Voilà, histoire de pas trop faire de dégâts. Ça va, c'est pas dégueu. Ça passe. Ouais, ça passe, mon gars. Ça passe. Vas-y, fais du taf de ouf, là. Ça, c'est bon, ça. On va mettre ça. Qu'est-ce que j'ai mis ça là, moi? Mais franchement, il y a des fois, mais... Il y a des fois, il faut je sais pas, il faut m'insulter, j'en sais rien, mais... Eh, franchement, ton extracteur d'élixir, là, il me sert à rien. Ah, mais strictement rien. Ah, je peux même pas le placer, sinon j'ai pas le temps d'attaquer, donc... Ah, non, franchement, je peux pas du tout, hein. Ah, c'est mort, il me sert à rien, hein. Alors... Je peux faire un minimum de taf, s'il vous plaît. Mais il sait pas tirer ses flèches, lui, hein, c'est pas possible, hein. Vas-y, on va mettre ça à la vite. Allez, bombardier ambulant. Oh là là là, fais du taf. Ouais, non, c'est nul. Bon, c'est pas grave, on a fait une égalité, malheureusement. On est plutôt égalité, hein, on va dire, de toute façon. Hein, on s'attaque plutôt égal.
Donc c'est plutôt pas mal. Et malheureusement, on n'a pas gagné. Bon, c'est pas très grave, c'est déjà pas mal. Oui, donc ce deck est à ma dimension, si je me trompe pas. Ouais, donc on n'avait pas les esprits de glace, hein, voilà. Parce que sinon, ça faisait trop de troupes, et on peut pas avoir 9 troupes. Donc c'est pour ça que je me pose la question si c'est pas un petit peu trompé dans son deck, là. Hein. Ou alors sinon, qu'est-ce que veut dire double prince? Je voudrais bien avoir la réponse. Double prince, pour moi, c'est les deux princes. Hein. Enfin bon, après, c'est peut-être pas ça. Ça se trouve, double prince pour lui, ça se trouve, c'est le prince qui a le bouclier. Je sais pas. Peut-être. Dans ce cas, bon, qu'est-ce que je te dis, hein. En attendant, moi, je sais pas vraiment utiliser les doubles princes. Hein. Je suis pas non plus... c'est pas ça qui va faire du taf avec moi. Mais en attendant, ouais, l'extracteur d'élixir non plus, je sais pas l'utiliser, vraiment. Donc, c'est pas non plus ça, il va faire du taf. Donc, il reste la Horde de Gargouille, le PK. Et encore le PK, voilà. J'ai du mal. Donc, il reste plus grand-chose. Hein. En attendant, ce que je vais faire, bah du coup, c'est que je vais aussi sur ce. Je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous dis à ciao. Et puis, n'oubliez pas, moi, c'était cool. Alors, juste, je voudrais vous montrer un petit clan donc qui appartient à Théo Starock, voilà. Mais ça, on s'en fout. Le plus important, c'est comment s'appelle le clan. Donc, le clan s'appelle S majuscule... donc Star avec un S majuscule, et après T-A-R en minuscule, après G majuscule, donc Gamer avec un G majuscule, et après A-M-E et R majuscule. Donc le tout en un seul mot, sans espace, tu vois, histoire de bien faire yesh, tu vois, ils mettent 3 majuscules, une au début, une au milieu et une à la fin, juste pour faire chier. Donc après l'identifiant du clan, c'est hashtag, jusque là c'est pas très compliqué, U9RUJC8, voilà, non, il y a pas plus simple, voilà. Donc du coup voilà. Donc ça, c'est le clan du chef Starock, donc de Théo Starock, et puis voilà. Donc je pense que je me suis pas trompé, je pense que je suis à la bonne porte. Toc toc toc, y a quelqu'un? Je suis bien là. Bon, en attendant, alors juste, il faut 1200 trophées. Pas plus, pas moins. Ok? Non, je déconne. Non, il faut pas moins de 1200 trophées, donc 1200 trophées minimum. Sinon, vous pourrez pas rentrer. Voilà, donc le clan est ouvert et il est français. Voilà, tout simplement. Et c'est tout.